Chen Guangchen a de nouveau eu une conversation téléphonique avec le Congrès américain le 15 mai dernier. Il a condamné cette fois les autorités locales de harceler sa famille dans la province du Shandong. Parlant de l'hôpital de Pékin où il avait séjourné depuis son départ de l'ambassade américaine, Chen Guangchen a parlé de sa famille, en particulier de l'état actuel de son neveu. Chen Guangchen a déclaré mardi dernier aux parlementaires américains par téléphone depuis l'hôpital de Pékin qu'il se préoccupe de la sécurité de sa famille, déclarant que son neveu et son frère aîné ont été battus par les autorités chinoises. Récemment, Chen Kegui, le neveu de Chen Guangchen, a été accusé de tentative d'assassinat et plusieurs avocats voudraient plaider non coupable pour lui parce qu'il a agi sous légitime défense. Mais encore une fois, les autorités locales les bloquent. Chen a souligné qu'il n'est pas un héros, mais il ne peut pas rester silencieux face à la perversité. Chen a remercié ceux qui le soutiennent à l'étranger, en particulier le peuple américain qui considère la justice comme une valeur universelle. Lorsque le membre du Congrès américain Chris Smith lui a demandé si l'ambassade des États-Unis avait été en mesure de prendre contact avec sa famille et ses amis qui étaient en danger, Chen a répondu qu'elle n'avait pas tous les détails, mais que l'ambassade des États-Unis était en contact avec lui tous les jours. It's not a given where the Chinese government will come down on any issue. They're taking the measure of us. They're looking to see what we think is important, what we prioritize, how strong we're willing to be on behalf of the dissidents and on behalf of the human rights cause. En tant que président du sous-comité des droits de l'homme, Chris Smith a fait appel à l'audience non seulement pour vérifier le bien-être de Chen et sa famille, mais aussi pour rallier le Congrès de la Maison-Blanche afin d'apporter son soutien à la famille et aux amis de Chen. Chris Smith a invité le secrétaire d'État adjoint Kurt Campbell et le conseiller juridique du département d'État Harold Coe d'assister à l'audition, mais ces officiers n'ont toujours pas répondu. Nouvelle NTD, Washington, D.C.